Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, avant d'attaquer cette vidéo uniboxing, parce que vous voyez, quand je suis dans mon garage, en général, c'est une vidéo uniboxing. Je voudrais répondre à une petite remarque qui m'a été faite, gentiment. Et cette remarque qui m'a été faite, elle est toute simple, c'est « Oui, Fred, t'es gentil avec tes uniboxing, enfin tes déballages. » Je préfère le dire en français, parce qu'on est en France, on n'est pas chez la langue de Shakespeare, hein, chez les roast-beef, on est en France. Donc, les déballages, oui, c'est très bien, tout ça. Tu nous montres ton matos, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des vidéos sur l'observation. Ah oui, ben, le problème, c'est que quand la météo ne veut pas, la météo ne veut pas. Voilà, donc je réponds un peu à ça. Dans le début de la vidéo, comme ça, c'est fait. Donc voilà, aujourd'hui, j'aurais peut-être pu sortir le télescope, faire de l'observation du soleil. Mais voilà, il y a des nuages et il y a un vent force, je sais pas combien. Enfin, vous avez vu les cartes météo, une partie de la France est en orange, une autre partie de la France est en jaune. Nous, la Loire, nous sommes en vigilance jaune vent. Voilà. Donc, déjà, vous aurez de la chance si vous ne voyez pas, si vous n'entendez pas le vent venir d'extérieur. Déjà, vous aurez de la chance. Parce que là, il ne faut pas dire que les fenêtres qui sont dans le garage, c'est pas du double vitrage. Donc, si vous entendez du bruit, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, nous avons un petit... Oula. Ça sonne bizarrement là-dedans. Et nous avons un énorme colis. Donc, plus gros. Donc, on va ouvrir les deux. Donc, je vais changer la position de la caméra. On va commencer par le petit. Alors, je tiens à dire ce qu'il y a dans ces boîtes. C'est, oui, alors je vais retourner un petit peu dans mon enfance pendant quelques temps. Je ne sais pas si j'en ferai des vidéos. Je ne sais pas, à voir. Quand vous aurez découvert vous-même ce qu'il y a dans ces boîtes, vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos détaillées de ce qu'il y a à monter là-dedans. Voilà. Alors, je tiens à dire tout de suite, c'est uniquement pour faire de la décoration. Hein. Je ne vais pas jouer avec, même si c'est du jouet. C'est uniquement pour faire de la décoration de mon futur bureau. J'ai dit, tiens, ce serait sympa d'y monter et d'y mettre en exposition dans mon bureau parce que, bon... ça a à voir avec l'astronomie en plus, c'est carrément avec l'astronomie, c'est carrément un bon sujet avec. Et en plus de ça, oui, avec la conquête spatiale, mais bon, je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir comme moi ce qu'il y a dans ces boîtes. Allez, je change la caméra de position, vous verrez plus ma face de paix, vous verrez les boîtes. Voilà, allez, on se retrouve. Bon, voilà, mes chers amis, on se retrouve donc avec la première boîte. Voilà, donc j'ouvre le premier carton. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce premier carton? Oui, 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 est-ce que je vous le tourne comme ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez bien, là? Ça brille un peu, hein. Alors, je vais le pencher comme ça, ça brille moins. Voilà. Oh là 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 là. Alors, on va le sortir de la bobotte. Le carton, il va aller là-bas. Alors, je fais le tour un peu de la bobotte. Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, donc Lego, vous avez compris. Hein. Apollo 50. Hein. Voilà, je vous mettrai quelques images plus détaillées. Donc, sur le côté de la boîte, nous avons... donc voilà. Alors, c'est tout en vrac dedans. Hein. C'est pour ça qu'on les entend bouger. Il va falloir que je construise ça. Donc, 1087 pièces. Ouais, bon, ben... Il va falloir se mettre au boulot. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je vais mettre en décoration. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que comme je ne vais pas commencer le montage tout de suite de ça, je vais attendre un petit peu quand même que j'ai récupéré un peu mon bureau là-bas. Oui, je vous essaierai de vous montrer un petit peu où j'en suis sur le bureau là. Peut-être pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo, on fera un vlog. Voilà. Allez, alors, vous avez vu, première boîte. Alors la deuxième boîte, à votre avis, je vous laisse quelques temps, vous mettez... Le temps que j'ouvre, attention à le côté. Alors j'espère que je ne l'ai pas à l'envers la boîte. Non, c'est bon, les flèches elles montrent en haut. Là. Là. Voilà. Oula. Ah. Alors là. Là, vous n'allez pas voir tout de suite ce qu'il y a. Alors attendez, parce que là, j'avais pas vu qu'il y avait une étiquette, mais non, c'est bon. C'est pas des informations compromettantes pour moi. Donc, je vais retirer le gros carton. Là, je vais récupérer ça. Alors, je vais essayer de les faire comme il faut.
Ah, ça coince un petit peu ici. Ouais, c'est pas abîmé la boîte. Déjà un petit peu abîmé la boîte, mais enfin bon, basta. Voilà, normalement, c'est du neuf. Hein. Moi, Amazon me l'ont vendu comme du neuf. Hein. Oula, vous commencez déjà à voir quelque chose. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose de très spécial sur ce que je suis en train d'ouvrir là, celui-là. Là. Ouais, ils ont rajouté du scotch là. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas eu un petit problème. Non. Du moment qu'il manque pas les pièces, je m'en fous. Alors j'ai un certificat comme quoi il manque pas les pièces. Mais c'est du neuf, hein. C'est vraiment du neuf. Mais voilà. Alors c'est du neuf, mais ça a été ouvert pour démonstration. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez acheter la Saturn 5 en Lego, grouillez-vous. Grouillez-vous. Ça va être retiré de la vente dans pas longtemps. Voilà, je vous conseille que si vous voulez l'acheter, la mettre en décoration. Alors lui, non. Le LEM, non. Lui, il est encore en vente. Il n'est pas marqué retiré, bientôt retiré de la vente. Par contre, lui, oui. Lui, il va être bientôt retiré de la vente. Voilà. Donc, je vous conseille un truc. Alors là, il y a quand même 1969 pièces. Alors oui, vous voyez les âges, hein, 14, 16. Moi, j'ai 44 ans, mais bon, tant pis. Hein. Il y a deux solutions pour ça. Soit vous vous en foutez de voir le montage de ça et vous me dites on s'en fout, vous avez le droit de le dire, enfin dites-le avec politesse, hein. Mais bon voilà, sans m'insulter bien évidemment. Soit vous me dites bah ce serait très intéressant d'y voir le montage et je fais de temps en temps une vidéo comme ça parce que bon le temps que je finisse de débarrasser le bureau là-bas, je peux peut-être commencer à monter quelques pièces dans le bureau provisoire et puis vous y filmez tout ça en temps quand j'y monte. Ou alors je crée une chaîne spécifiquement pour ça, mais ça m'embêterait de créer juste une chaîne pour faire le montage de ces deux trucs. Vraiment, ça me voilà, ça, je sais pas à quoi ça servirait, mais bon, voilà, ça m'énerverait de faire juste pour ces deux trucs. Voilà, je vais essayer de cadrer les deux. Je sais pas si je vais y arriver, mettre les deux l'un côté de l'autre, les cadrer un petit peu mieux comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous déballer. Dites-moi ce que vous en pensez. Lui, si vous le voulez, vraiment courez vite. Je l'ai eu à 174 € et des bourouettes. Et lui, 108 €. Les deux achetés sur Amazon. Voilà, j'essaierai de vous mettre les liens dans la vidéo, dans la description. Donc moi, je vous conseille un truc, lui, là, si vous le voulez, achetez-le vite. Donc voilà mes chers amis astronomes, je termine cette vidéo là, n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez, je pense que ça va faire une belle décoration dans mon bureau quand ce sera tout monté. Bien sûr je vais prendre mon temps pour y monter, je vais faire ça sur mon temps libre, alors c'est-à-dire mon temps libre est très court, parce que bon j'ai des livres à lire, j'ai plein d'autres livres à lire, vous savez les vidéos que j'ai fait sur les livres, faut que je les lise pour pouvoir vous en parler. Alors, je sais pas si je ferai vraiment des comptes rendus dessus et tout, ou si je vous donnerai plus mes impressions dessus. On verra à ce moment-là. C'est un petit peu comme je ferai un petit peu comme j'en aurais envie, bien évidemment. Oui, il n'y a pas de honte à avoir. À 44 ans, je retourne à mon enfance, et alors, que ça peut foutre? De toute façon, moi, ça faisait longtemps que la NASA Apollo Saturn 5, ça fait longtemps que je pensais pouvoir me la payer. Je voulais attendre vraiment de me la payer quand j'avais mon bureau fini, que bon, je savais à peu près à l'endroit où j'allais la placer, bon, pour qu'elle se voit un petit peu aussi dans les vidéos, parce qu'en même temps, un décor, il faut bien que ça se voit un petit peu en arrière-plan dans les vidéos. Vous savez, avec le tableau de Sébastien, je pensais la mettre pas loin, et lui aussi, d'ailleurs, le LEM aussi, je pensais le mettre pas loin, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais y monter, je pense peut-être que je ferai des vidéos. Alors pour moi-même déjà, pour voir si au cas où je fais des erreurs dans les montages, à pas refaire les mêmes erreurs, vous voyez, pour avoir une archive du montage. Est-ce que ces vidéos-là, après, je diffuserai au compte-goutte, je sais pas. Dites-moi vraiment, si je vois vraiment que ça intéresse pas mal de monde, bah je le ferai. Soit sur la chaîne Fred l'Astronome, ou soit je vous dis, je ferai une chaîne spéciale, mais bon, je pense pas que ce soit vachement intéressant de faire une chaîne juste pour ça. Oui, bah les vidéos déballage pour le moment, bah j'ai que ça à faire. Soit je déballe du matériel, soit je vais faire des vidéos de présentation de télescope ou de caméra ou de ciola ou de matos parce que je peux pas faire autrement. En ce moment, la météo n'est pas là. Voilà, elle ne m'accorde rien la météo. Alors j'ai une vidéo qui est en cours de montage dans l'ordinateur
au moment où je suis en train de tourner celle-ci. Donc comme j'ai reçu les deux colis, je me suis dit, bah, tu vas faire un seul déballage pour les deux. Pas besoin de faire un déballage pour 36 machins, voilà. Pas besoin de faire 36 vidéos pour 36 déballages pour le même chose. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que je devrais faire ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, que ça va donner en décoration, tout ça. S'il y en a qui l'ont déjà acheté, par exemple la Saturn 5, et bah dites-moi-le. Si vous avez eu, vous, des difficultés de montage, tout ça, et patati patala, c'est pas parce que c'est marqué 14 ans et plus que c'est super facile à monter. Ça, il peut y avoir quelques difficultés à rencontrer par certains d'entre vous qui l'ont et qui l'ont monté. Pareil pour le LEM, s'il y en a qui ont, l'ont déjà, qui l'ont monté, qui l'ont... Voilà, si vous avez des difficultés et tout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça va faire top comme décoration? Moi, de toute façon, personnellement, ça va faire top en déco. Il y a certains petits malins d'entre vous le savaient déjà que j'allais acheter ce genre de produit. Parce que si vous avez suivi un petit peu mon compte Facebook, mes deux comptes Facebook, Fred l'Astronome, tout ça, Fred l'Astronome 42, normalement, ça, vous avez dû deviner, voilà. Ou mon compte Instagram, je sais pas si j'avais mis sur Instagram, je sais pas si j'avais partagé sur Instagram. Mais enfin, bon, en story, je crois que je l'avais partagé en story. Voilà, donc, voilà, dites-moi tout en commentaire, ce que vous en pensez, tout ça, tout ça, tout ça. S'il y en a qui les ont montés et qui ont eu des difficultés, si vous les avez toujours, si vous les avez pas revendus, voilà. Et ben, si vous avez perdu des pièces, si vous avez réussi à en retrouver ou pas, comme ça, voilà. Parlez-moi un peu, témoignez-moi un peu de tout ça, s'il y en a parmi vous, parce que bon, on est une belle communauté, on est très nombreux. Donc, dites-moi si vous, voilà, que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà eu, si vous l'avez vu peut-être aussi chez un copain, une copine, peu importe. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous, ça c'est très important, plus important que le reste. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Et surtout, faites de l'astronomie, parce qu'il y a que ça de vrai. J'ai un petit message à faire passer, je le fais en fin de vidéo. Il y a des gens pas très corrects, et je voudrais juste leur envoyer un tout petit message. Je suis encore là, je serai encore là, pour longtemps. Tant que mes forces me donneront la force de faire des vidéos, je serai encore là pour longtemps. Voilà le petit message que je voulais envoyer. Et j'espère que ce petit message que j'envoie là maintenant, c'est un message d'espoir pour certains qui seraient embêtés par d'autres. Oui, parce qu'il n'y a pas que des trolls sur YouTube. Il y a aussi des YouTubeurs qui emmerdent d'autres YouTubeurs. Voilà, et ça, je tenais à le dire. Et je le dis face caméra parce que moi, je n'ai peur de personne. Et j'ai pas peur de dénoncer ce qui peut se passer sur YouTube ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Protégez-vous, entourez-vous de vrais amis et surtout, ne faites pas confiance à tout le monde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais faites attention à vous. Voilà, surtout à ça. Merci de m'avoir écouté maintenant vraiment jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce seront des vidéos d'observation et peut-être même le mois prochain ou le mois d'après. Il y aura peut-être encore une vidéo de déballage, mais je vous promets que le matos que je déballerai ce jour-là, ce sera un putain de beau matos, et je tiens à le dire comme ça parce que je ne peux pas le dire autrement. Merci, au revoir, prenez soin de vous, mettez l'oculaire, et à ciao pour de nouvelles vidéos.